Lionel Lazare, porte-parole adjoint PNH. Donc, matin, nous ne pouvons pas recevoir Lazare comme coordonnateur Sénapois, hein? Mais plutôt comme porte-parole adjoint PNH. Bonjour, Lazare. Caraïbe FM, son plaisir pour moi ensemble avec ton matin. Donc finalement, tout bagarre, ok. Effectivement, samedi, il y a remettre nos lettres, non? Pour le moment, nous, c'est porte-parole adjoint police d'Haïti. Ok. Et matin, nous te souhaité faire un petit peu la cour, puisque nous connaissons la police là, elle est présente depuis plus de 60 semaines dans la zone Bel Air, Solino, Delma 24, dans le cadre d'une opération. Avec de nouvelles stratégies, puisque j'en déconne souhaitait, donc la police n'a pas quitté l'espace, que yo, en fait, yo toujours été présent, hein, dans le fief bandio. Jusqu'à présent, c'est vrai, il y a des gens qui a cherché contre qui ça a bilanier, mais la police lui-même dit, l'aptane, que yo fini avec l'opération pour capable de dire qui ça a bilanier. Donc, matin là, qui ça message lanye, puisque vous avez souhaité effectivement parler avec nous sur ensemble opération ça. Bon, effectivement, nous connaissons que ça a gagné environ 2 semaines, pas gagné 3 semaines depuis que la police nationale d'Haïti a mené ensemble opération dans plusieurs quartiers, plusieurs zones dans l'aire métropolitaine, dans le Croix des Bouquets, en bas la ville, dans la zone Delma, bas Delma, côté que la police a mené des opérations qui gagnent la dans les forces armées d'Haïti, plutôt gagnent des policiers kenyans qui, à travers opération que la police a mené. Nous connaissons qu'effectivement, Mounio, il y a plein de bilans, mais avec de nouvelles stratégies que la police gagner là pour mener opération yo donc la police a travail nous connaît que mon besoin bilan mais on pense que c'est extrêmement important pour nous quitter la police là fait travail li. C'est de temps en temps ça gagne comme information on pense que population a connaît qui ça qui gagne par rapport avec travail que la police a fait par rapport avec opération que la police a mené et pour les jours nous connaissons que week passé là monsieur dans zone quoi des bouquets il était bloqué route nationale numéro 2 à côté il était fait en mi dans mi temps route là et force de l'audio à travers des DO2 et service engin loup la police nationale d'Haïti fait déplacement et bien pour y aller débloquer route là pour le moment route là li débloquer donc on est que dans zone Badelma la police ça continue mener opération li j'entends ça dit là gain des nouvelles stratégies parce que la police toujours présente dans série de zones que l'a mené opération yo gagné dans zone Balaville là tout gain des opérations qui a mené. Et puis tout gagner tout dans zone grise population en témoigne ça côté que la police a continué mener opération et nous senti que mariage police population a fait chemin donc le directeur général la police là dit là avant en conférence que il était bail il soit il était minuit et demi par l'iné que moi temps pour parler avec le directeur général là avec DCPA et toute équipe là est mobilisée dans quel que soit niveau loué à travers direction générale la police service logistique et service engin lourd service garage PNHA et bien tout le monde a metté et maintenant pas là tout le monde a fait travail par moi pour capable bailler et résultat et mariage là son mariage qui a avancé très bien ça fait que n'a dit population pour éviter prenant diversion pour éviter comme si partageons ensemble d'informations que monsieur Bandi parce que pile des fois c'est des informations c'est des images qui passaient déjà et bien pour détourner attention non pour détourner attention population et bien il a fait diversion à travers un ensemble de images à travers un ensemble de vidéos doit plaguer sur les réseaux sociaux. Vous êtes capable de remarquer tout. La police, là, à travers structure liée, service communication, PNH, là, gagné. La police a communiqué en temps réel par rapport à
bagaille qui a fait au niveau de institution pour le policier là. Et donc je pense que l'important pour nous toujours demander collaboration mondiale pour être capable de communiquer à travers mariage police pour population hein. Et ça veut dire que je ouais bouche parler ou communiquer avec la police et nationale d'Haïti donc qui est vraiment déterminé pour contrecarrer action monsieur avec Zamio. Donc c'est pas sans raison que directeur général là monsieur Nomi Ramo il mettait toute équipe en branle pour capable mener des opérations pour capable contrecarrer action monsieur et monsieur Bandio à commettre sous population journée aujourd'hui. C'est vrai, la police pour qu'on bail bilan, ou bien la police a travaillé sous au bilan, mais moi, en vivant de ça matin, et ces questions, ça, en plus, le monde capitaine de l'attaque a posé autour, monsieur Lionel Lazare, pour parler du PNH là, est-ce que nous devons retenir que l'opération, il y a à poursuivre au niveau de Bel Air, est-ce que intensifié, est-ce que c'est à même rythme là, et pour nous finir, est-ce que le peuple là, capable d'espérer, cette fois, on résultat pour le moins fructueux et bien, de l'ensemble opération ça va mener dans Bel Air à environ. Nous pensons que oui, opération a continué ou a sur pour que qui c'est deux bagages qui nettement différents. Je dis à la conseil de côté que la police a fait opération, la police pas quitté et zone ça ou a par exemple, tant qu'on est dans la zone Badelma, nous pas dit à 100%, mais journée jeudi à la, un paquet de circulation qui a fait dans la zone ça, c'est grâce à l'intervention la police nationale d'Haïti a mené depuis presque 3 semaines. Nous voyons que le directeur général de la police a déterminé un paquet de volonté dans le commandement. Moi, donc hier soir, il était minuit et demi par une heure, nous étions en contact avec DG, avec DCPA, toute notre équipe qui autour de lui, qui a travaillé là pour permettre que nous coordonner l'opération que la police a menée là. Nous dit pour population, pour garder calme, pour ne pas diversion, pour toujours collaborer avec la police nationale d'Haïti à travers opération que yo a mené dans plusieurs zones, soit dans Croix des Bouquets, dans Gressier, dans zone Balavilla, dans zone Badelma, qui donc pense que sans collaboration population, la police pas vraiment capable de faire ça, rien pour le faire. Et nous voyons que mariage police population les commencer par résultat et à travers réseau, à travers on sait de monde qui a parlé ou senti que bon certaine confiance que population a commencé prend dans la police et ou est tout que gouvernement a travaillé tout pour garder comment il est capable améliorer conditions de vie policiers aux conditions de travail policiers parce que directeur général de la police il focus sur ça il focus sur ça en pile et n'a dit mon yo mettre garder calme éviter prendre diversion monsieur nèg avec zamio par rapport avec travail ça que la police la fait ça fait que nous mandé support la presse nous mandé concours presse là pour aider la police à travers information que nous toujours qui fait au niveau de radio télé Caraïbes et n'a demandé à l'autre média pour encourager et la police là par rapport avec le travail qu'il y a fait et journée jodia c'est toute une équipe qui mobilisée ni dans gouvernement ni dans au commandement et la police là l'autre information encore c'est que nous connaissons que gon dossier qui était focus en pile côté que ces questions de badge policier nous connaissons que et qui expiré et directeur général la police là qui était conscient de travail de problème ça et bien bonne nouvelle c'est que appareil disponible et depuis week-end dans là j'ai commencé produit badge surtout pour policier 32e promotion donc on est qui gagne 6 mois depuis que yo gradué pour qu'on gagne badge et bien dans semaine ça là policier a commencé à joindre badge et puis tout l'autre policier qui t'ai fait badge par yo il a gagné et pour capable récupérer les badges qui vont permettre que nous identifions à chaque fois que nous vivons côté. Et il y a des commissions tout qui vont mettre camper le plus vite que possible pour aller dans la ville de province pour être capable de renouveler les badges, tout policier qui est expiré.
Léonel Lazare, s'il est vrai que souterrain, il y a un peu de monde qui apprécie l'effort que la police dans lui-même lui a fait, détermination que le gagne dans le cadre des opérations, notamment au niveau de Bel Air, Solino, Delma 24. Et parallèlement, tout, il y a des monde qui expliquait que il y a des petits soucis qui gagnaient dans les police là, par exemple, par rapport à prime de risque qui pas tombé à temps, par rapport à ticket qui pas tombé à temps. Et, dans quel niveau problème ça va pas adresser? Et, à quel niveau tout, il a affecté moral troupe là, qui souterrain, qui a bataille contre les gangs à Xamio. Bon, moi, ça dit, tout à l'heure, le gouvernement a travaillé sur un ensemble de dossiers pour garder comment on est capable d'améliorer les conditions de travail et policiers. Et donc, direction générale là est très sensible pour ça. Et gouvernement, de concert avec direction générale là, tout problème ça a déjà discuté et il a déjà joint qui formule que pour garder pour être capable de résoudre le problème ça que on s'est dit là. Maintenant, il y a deux monde dans la rue qui a gardé problème nan, qui a gardé infiltration gang yo et stratégie qui a mis dehors etc. Et qui parfois gen un petit réticence par rapport à efficacité et capacité de la police ta pour t'amener bataille ça et jusqu'à la victoire finale. Et est-ce que pas doit gagner souci autour de ça, la police là gagne contrôle ça qu'a fait là, les mesures et stratégies bandi yo et li pas quitter que c'est bandi qui attaquer, mais c'est lui même qui a pas fait prévention contre attaque bandi yo d'a dire comme ça. Non quoi que je dis à gagne l'autre stratégie. Et moi saute d'auto hier soir, l'était minuit et demi par l'heure. Moi, j'étais en pour parler avec le directeur général de la police. Là. C'est juste pour montrer que c'est un monde qui n'a pas dormi pour définir stratégie et par rapport avec stratégie que M. Bandio, tout lui-même, a défini. Donc, direction générale de la police, il y a une stratégie, il y a un débat qui a fait parce que nous devons prendre direction générale très au sérieux. Communication, yo, j'ai appris à priver sous population, hein. C'est pas sans raison, sous toute plateforme, yo, qui gagne page officielle, organe officiel, PPNH, là, soit TikTok, sur Facebook, sur Instagram, côté que la police toujours communique à temps réel, ou ensemble de bagailles que, yo, a fait. Moi, même pas que, c'est ça fait que nous disons, yo, mettre été tête fouette, seulement veiller, diversion qui a fait par rapport avec ça, M. Bandio, à partager, qui pour détourner attention, qui pour faire ou pas communiquer pour mariage la police, population, les pas atterri. Et donc, direction générale la police, les gains stratégiques, ça fait que nous disons, nous, des gros avancées qui a fait, soit au niveau du gouvernement, bon côté, direction générale la police, là, pour capable de résoudre le problème de sécurité. Voilà. Merci un peu, Léonel Lazare. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, Lionel Lazare, porte-parole adjoint PNH.